la PlayStation à 3. Eh ben oui, quand il est sorti, pour 20 gigas, tu avais 600 euros à débourser. 600 euros. Ils ont cru que les gens, ils allaient braquer des banques ou quoi, 600 euros. Mais moi, à l'époque, je savais pas, donc je suis allé voir mon père, comme une petite gazelle qui mange des hamburgers, j'étais un petit peu foufou. Je suis allé dire, papa, tu peux m'acheter la PS3, s'il te plaît, elle vient de sortir. Ah, tu comprends, elle est super, les graphismes qu'elle donne, ah, tu pleures des yeux, tu pleures des oreilles, tu pleures de tout. Il m'a dit, oui, je peux te l'acheter, combien elle coûte? Ben, je lui ai dit 600 euros. 600 euros. Mon fils, viens ici. Mon fils, viens, je vais pas te taper, viens ici, mon fils. Tu veux mourir jeune? C'est ça? T'as envie de mourir jeune? 600 euros. Dégage, Bilal. Dégage, Alhamas, sinon je te mets un coup de tête. Il est malade, celui-là, 600 euros. Ouais, Dilip Khat. La crise oblige. Je me suis tourné vers la Xbox. La Xbox 360. Ah oui, je suis allé l'acheter. Mais elle était moins chère que la PS3. Bah oui, c'est pour ça que je l'ai acheté. Tu crois que j'ai voulu l'acheter avec son gros corps comme ça, bizarre et tout là? Non, je l'ai acheté parce que c'était moins cher. C'était la solution des pauvres. Bah oui. Et donc, le premier jeu que j'ai acheté dessus, c'était GTA 4. GTA 4. Quand j'ai mis le jeu dans GTA 4, parce que GTA 4 il était sorti aussi sur PC. Sauf que quand je le mettais sur mon PC il disait arrête cette petite suite, mais je suis en train de mourir. La carte graphique elle est en train de griller, l'alimentation elle est en train de sauter, elle est en train de faire des petits bancs. Donc on peut pas jouer sur le PC. Donc c'est pour ça que je l'ai pris sur Xbox 360. Et quand je l'ai mis sur la Xbox, mais les jeux, il était vraiment super. Ah ouais, et les GTA 4. C'était la classe avec son nouveau moteur graphique et tout, le nouveau moteur physique, vraiment c'était man, c'était super. J'avais aussi acheté avec les exclusivités de la Xbox, il y avait Gears of War, tu sais, les mecs costauds comme ça avec des pistolets, pouf. Ah ça j'ai aimé, ça c'était vraiment super ça. Ça j'aimais bien ça. J'aimais bien Tekken, oh les Tekken, oh vraiment les Tekken j'adorais. Ensuite il y avait aussi bien sûr les premiers Call of Duty, les Modern Warfare 1, Modern Warfare 2, ça j'aimais bien ça. Ah oui, ah je les ai signés sur Xbox, ah oui, là c'était cool. Mais après, petit pigeon que je suis quand même retourné sur la PS3. Eh Zama, j'ai fait la technique du crevard, j'ai attendu que le prix il baisse, tu vois. Je l'ai laissé baisser, et quand il a bien baissé, hop, j'ai attrapé la PS3, je dis viens ici. Et quand j'ai eu la PS3 chez moi, ah bah alors là c'était vraiment la fête. Ah oui, alors là c'était Metal Gear Solid. Ah Metal Gear Solid, mais tu rigoles ou quoi? J'ai pris le 4 direct. Metal Gear, viens ici. Après, ah ouais, après il y a eu Uncharted avec Nathan Drake. Voilà, Nathan Drake. Ah oui, ça c'était vraiment super ça. Il y avait encore peut-être d'autres exclusivités. Il y avait les Gran Turismo. Ah ouais, les Gran Turismo. Bah oui, vu que moi je savais pas conduire, j'ai passé le permis dessus. Bah ouais, ça fait toujours plaisir et c'est toujours moins cher. Il y avait aussi God of War. Aïe aïe aïe, God of War. Wouh, je me prenais comme un petit crabe de l'Antiquité. Ah oui, je te jure, j'adorais. God of War, il éclatait tout le monde. Touche. C'était vraiment super ça. Avec son truc là. Yeah, avec la grosse chaîne là. Rah, il éclatait tout le monde. Rah, ta, dégage toi. Rappelle-moi, il dit couscous et il dit petite agine. Allez, dépêche-toi, counard. Ouais, ça j'aimais bien. God of War, ouais, ça c'était super. Ça. Mais bon, qu'importe la PS3 ou la Xbox 360, le plus important c'était de s'éclater, de s'amuser quoi. Mais quand même, la PS3, 600 euros, c'est vraiment des salopards. Si toi aussi t'as été peut-être un petit pigeon comme moi en achetant la PS3 ou la Xbox 360, mets-le dans le commentaire avec le nom de tes jeux préférés. Ça fait toujours plaisir. Petite gazelle qui mange des hamburgers. Salut!